Il n'est pas encore 6 heures du matin et Joseph, comme tous les jours, prépare la chapelle pour ses frères. Alors on est dans la chapelle, la petite chapelle du pèlerinage. Il y a la grande chapelle. Ici, les frères se retrouvent dans le chœur 4 fois par jour, en tout cas pour les offices des heures. Donc le matin à 6h30 pour l'office des lectures, c'est le premier office. Aujourd'hui, Nicolas, 19 ans, arrive le premier. Il n'est pas religieux, mais vit quelques jours avec cette communauté de 3 frères et 2 novices, c'est-à-dire 2 hommes se préparant à la vie religieuse. Ils sont ici, à l'abbaye de Notre-Dame de Duesenbach depuis 1 an seulement, après la fermeture d'une communauté à Strasbourg, dans le quartier de Königshofen. Königshofen, on l'a quitté, c'est vrai. C'est une page qui se tourne, il ne faut pas avoir peur de tourner les pages. Après, je le dis aujourd'hui, peut-être dans 20 ans, je ne dirai pas la même chose. Hein. On prend de l'âge, donc on est un peu plus nostalgique. Mais je crois que le lieu Königshofen, il faut être réaliste. On a dit tout à l'heure que c'est grand ici, mais on était dans un bâtiment pour 33 frères et on n'était plus que 6 frères. Après 45 minutes de silence complet, les langues se délient. Tu pourras prendre calmement ton petit déjeuner. Nicolas s'interroge sur son avenir. On dit qu'il est en discernement vocationnel. Il cherche des réponses auprès des frères. Être avec des frères, voilà, ça me cadre ma journée et ça me donne un contexte, ça me donne un environnement propice pour ma propre prière, ma relation à Dieu. Bien que frère Joseph soit le recteur et le gardien de la communauté, il va s'adonner à une activité à laquelle on ne s'attend pas. Je pense que les gens ne s'imaginent pas qu'on fasse ça, mais ça fait partie de la vie. Je pense que, voilà, comme c'est une vie de famille et de frères, c'est-à-dire chacun un peu des tâches. Moi, j'ai le tâche de l'hôtellerie, donc de faire le repassage. D'autres ont le tâche de linge communautaire. Voilà. Après, je pense que les images qu'on a parfois du frère ou du prêtre sont un peu des images fausses, c'est-à-dire qu'on a des bonnes pour le faire. On pourrait avoir des bénévoles, mais je pense que à nous aussi de faire ce que les gens font, eux, habituellement chez eux. On vient tous d'une famille, donc on a peut-être plus nos mères pour le faire, mais on le fait. Voilà, je pense que ça fait partie aussi de cette simplicité de vie qui est être capucin. Voilà, c'est une simplicité de vie. Être simple, c'est dans les simples gestes de chaque jour, le quotidien. La simplicité, la fraternité et la pauvreté sont les maîtres mots des Capucins, religieux de l'ordre de Saint-François d'Assise, dont les frères de Duesenbach font partie. Moi, ce qui m'a plu beaucoup, comme il y a plusieurs branches masculines chez les Capucins, c'est la simplicité, c'est-à-dire le réel, la réalité, le concret de la vie. Moi, ça m'avait marqué comme ayant fait ce qu'on appelle des stages en vie religieuse. J'ai fait 1 semaine chez les frères franciscains, 1 semaine chez les capucins. Et ce qui m'a étonné, c'est que dans ma première semaine, on ne m'a pas dit chez les franciscains, chez les capucins, un frère âgé de 100 ans même, qui me dit « D'où viens-tu ?» Voilà, il m'a pris dans ma réalité et pas tout de suite « Tu pourrais faire ça chez nous ?» Vraiment pas. C'est-à-dire, il m'a pris avec ce que j'étais. Et puis, en fin de compte, de faire 1 semaine, j'ai fait 2 semaines chez eux. Frère Dominique,
comme frère Joseph, était attaché à la communauté capucine de Strasbourg. Moi, je suis... J'ai vécu dans beaucoup, dans plusieurs maisons qui ont fermé finalement successivement. Personnellement, je ne suis pas un homme attaché au mur, mais attaché, comme je viens de le dire, à la vie. Si c'est rester tout seul pour tenir des murs, ça n'a pas de sens. Si c'est quitter des murs pour vivre du charisme de Saint François à plusieurs frères, le sens l'emporte et je vais vers ce qui donne sens à ma vie, qui pousse ma vie, qui la porte. Mais les murs, ce n'est jamais qu'un moyen. Deux tartes aux pommes, parce que lui, il va faire deux au midi. Les Capucins ont animé les murs de cette abbaye durant un siècle. Nous sommes partis en 2009 parce qu'il n'y avait plus de frères en possibilité de venir sur le lieu et qu'une petite dizaine d'années après, l'archevêque a cherché d'avoir des différentes communautés religieuses. On n'en a pas trouvé et les Capucins sont revenus. N'est-ce pas un petit clin d'œil de la Vierge Marie à ses frères capucins? Ils étaient de la province de Rhénano-Westphalie, ils étaient de la province de Strasbourg, maintenant de la province de France. N'est-ce pas un clin d'œil de la Vierge du Düsenbach aux frères capucins à travers le monde, de leur dire « Je vous veux ici, auprès de moi, au Düsenbach ». Durant l'absence des frères, le lieu était géré par le père Marc Elfer. De tout temps, Frédéric est resté bénévole et fidèle à Notre-Dame de Düsenbach. Alors depuis que les Capucins sont revenus, en fait, il y a de nouveau une présence quotidienne et donc des célébrations quotidiennes, ce qui permet, comme aujourd'hui, un soir de semaine, de venir, de pouvoir assister à une Eucharistie, alors que... Avant, quand c'était Père Marc, c'était uniquement le dimanche, quoi. Donc voilà, déjà ça, et ça permet aussi d'avoir un autre regard sur le lieu, quoi. Je veux dire, moi je retrouve un petit peu, personnellement, justement, comme j'ai connu depuis toujours le Düsenbach, puisque je suis de Ribeauvillé, eh bien je retrouve cette ambiance de quand j'étais petite, quoi, hein, je veux dire, avec la présence des Capucins. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu, à toi, Seigneur, la grâce. Frère Paul a été appelé par la province, autrement dit la direction de l'ordre, à venir ici pour renforcer la communauté. Les frères qui étaient dans l'Occident sont de moins en moins en Occident. Il y en a beaucoup plus en Inde ou au Brésil ou ailleurs. Hein. Donc c'est ça bouge, mais c'est tout. Moi, c'est le pérenniser un ordre. Oui, je veux bien, mais c'est surtout pour, s'il y a quelque chose à vivre. Je m'y plais, je me suis toujours plu. Tant mieux, s'il y a d'autres qui sont contents, qui y vivent. S'ils sont pas contents, il faut faire autre chose. Hein, À 81 ans, il participe difficilement aux travaux de la fraternité, mais il y contribue à sa manière. La part de ma vie maintenant, c'est davantage de m'orienter vers une autre option des Capucins, qui est celle de la vie contemplative. Donc j'essaie de me donner le plus possible dans cette direction-là, ce qui n'est pas non plus très difficile, hein, enfin bon, ce correspond à quelque chose qu'on recherche. C'est de prendre beaucoup de temps pour être en présence du Seigneur. Outre la contemplation et la prière, l'une des missions des frères est d'accueillir les marcheurs et les pèlerins. Ils peuvent en accueillir une douzaine pour la nuit. Après une longue marche, Christian vient s'y ressourcer. Comme beaucoup d'endroits, de monastères ou de trucs, on sent toujours un peu des ambiances un peu zen, un petit peu, toujours un petit peu calme. Voilà, c'est vrai.
ça nous a... Enfin, sur le parcours, c'était aussi bon, une étape au bon timing, mais elle était programmée dès le départ. Je savais que je voudrais dormir ici, oui. Une attirance, et puis en plus, comme je ne suis pas de loin, dans ma jeunesse, je suis venu souvent avec mes parents, avec mon épouse, mes enfants, manger ici le dimanche, assister à la messe aussi. Donc je voulais faire découvrir ce lieu que je connais bien, que j'affectionne, et je voulais le faire découvrir à mon ami. Ça, je peux enlever ? Son ami canadien apprécie l'ambiance qui règne ici. C'est la simplicité, c'est de rencontrer des gens qui font une vie très différente de celle qu'on a faite, en fait. Alors, c'est très agréable. Également, de ne pas avoir de télé dans sa chambre, en fait, ça ajoute à la simplicité. Et on mange très bien aussi. Alors, c'est, pour moi, c'est pas nécessairement spirituel, mais c'est très agréable. Ce service ne suffit pourtant pas à subvenir aux besoins du lieu. Le sanctuaire ne peut pas faire vivre une communauté. C'est pas lourde, c'est un petit sanctuaire, vous vous en rendez compte vous-même. C'est le seul pèlerinage en Alsace auquel on vient à pied. C'est modeste. Ça correspond justement au charisme franciscain. Nous sommes deux frères prêtres qui recevons un salaire concordataire pour être à l'animation de ce sanctuaire. Donc c'est ce qui fait vivre la communauté. Également un frère en retraite, hein. Donc ça apporte également. Voilà comment nous vivons. Et que c'est la communauté dans les lieux de vie où la communauté est plus établie qu'à d'autres, elle prend en charge sa vie tant sur le domaine du chauffage, électricité et autres. Voilà. Frère Joseph est tout aussi conscient des contraintes matérielles, mais il est apaisé. Moi, je crois que depuis que je suis arrivé au Duisenbach, je relativise beaucoup plus parce que je vois la nature et puis la nature, eh ben, parfois, elle est bonne éducatrice en disant ben, « voilà, tu es peut-être fâché, mais moi, comme fleur, je ne pousse pas en un jour. Donc, ben, ta colère, laisse-la un peu de côté quelques jours et tu verras, ça peut changer aussi en douceur. » C'est un peu le cantique qu'on connaît de Françoise qui est amertume, que ça devienne douceur. Amertume, douceur, voilà. Ici, Yves, novice de 50 ans, a conforté son choix pour cette vie religieuse. Ça ne m'inquiète pas de savoir quel nombre de capucins on sera, même si j'étais le dernier, et même à la limite s'il n'y en avait plus. Enfin, parce que c'est l'appel, enfin, c'est par Dieu que qu'on le reçoit. Donc de ce côté-là, je fais confiance, quoi. Enfin, je pense qu'on peut établir, quand je parle de foi, c'est on fait confiance, quoi. La réponse n'est pas aussi évidente pour Nicolas. Aujourd'hui, je suis dans la paix. Dans la paix, parce que rien ne presse. Et là, ben, je prends le temps de me vider intérieurement et de faire la place pour écouter ce que le Seigneur il veut pour moi. Voilà, c'est mon état d'âme. Maintenant, on verra ce qui arrive dans le temps. J'ai envie un peu de trouver quelque chose dans lequel je puisse me donner à fond. Je ne voudrais pas faire les choses à moitié. Et c'est sûr que choisir quelque chose qui est à contre-courant du monde, ça demande, comme il dit, de la radicalité. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse. Et que la terre tout entière la donne. Vivre auprès des frères le porte dans sa réflexion. Pour moi, c'est un signe d'espérance de voir comment frère Joseph, frère Dominique et frère Paul ils peuvent vivre ensemble avec les deux novices qui sont plus jeunes
et de voir que dans une fraternité, il y a des différences et des âges différents, et ils arrivent à vivre, et il y a une sainteté communautaire. Et ce qui est clair, c'est que ben, les jeunes ont besoin de spiritualité, et ils recherchent ça, et on recherche un petit peu à les toucher. Donc c'est beau quand les groupes de confirmants et de jeunes ils montent en haut, et on a toujours à rechercher, l'Église a toujours à rechercher à s'adapter aux jeunes et à leur apporter des réponses à leurs questions. Et je veux m'inscrire aussi, moi, dans cette optique-là. Nicolas va rejoindre les frères pour l'un des quatre offices de la journée. Au même moment, Samuel prépare le repas. À 34 ans, il est l'un des novices et devrait bientôt formuler ses vœux pour devenir frère. Être novice, c'est démarrer dans la vie religieuse. Donc c'est commencer une nouvelle vie avec ses joies, avec ses difficultés, mais... Oui, surtout la joie de démarrer une nouvelle forme de vie. Ah là là, ma vie est belle. Fais descendre aussi sur nous ta bénédiction, que nous prenions notre repas dans l'action de grâce et la joie de ta présence, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La vie des frères est faite de prières et de silence, mais aussi de temps de convivialité, comme c'est le cas ce mercredi soir. C'est pas tous les jours, sinon on peut toujours faire, chaque jour on pourrait faire la fête. Enfin la récréation c'est pas non plus une fête pour boire, mais c'est vraiment échanger. Alors voilà, parfois c'est une discussion, mais parfois c'est aussi, je pense que ce soir ce sera pas des jeux, mais parfois on joue aussi aux cartes ou d'autres choses. Parfois il y a aussi des frères de passage d'autres nationalités, donc on écoute un peu ce qu'ils ont à nous dire de la réalité capucine dans leur pays à eux. Après le dernier office de la journée, l'office des complices, Joseph se dirige vers sa chambre. Depuis qu'on est arrivé, je pense, je parle simplement pour moi, mais je crois aussi par rapport aux frères qui sont avec moi, heureux. Pour moi, le 11 septembre 2016, c'est encore hier. Je ne sais pas où sont passés les mois depuis qu'on est arrivé. Parce qu'il y a un temps d'adaptation, et puis voilà, des surprises, des choses qu'on n'aime peut-être pas trop voir, mais qu'il faut quand même voir par rapport à des personnes qui sont liées au lieu, et puis de toujours un peu entendre, c'était comme ça, il faut faire comme ça, et puis vous voyez, hein, on est un peu un groupe de jeunes, de frères, donc on n'a pas, on a toujours, je dis, la sagesse n'attend pas les cheveux blancs, on peut aussi être sage, et puis je pense qu'il y a aussi une demande de l'évêché, en tout cas d'être, d'animer ce lieu-là, et je pense que l'entité du lieu, c'est le pèlerinage, c'est aussi les randonneurs, les pèlerins qui viennent à l'abri du pèlerin, essayer de les accueillir, parfois il y a du stress, hein. Moi je me rends compte, parfois je suis aussi dans le stress, parce que
Ben, on n'a pas prévu assez pour les repas et tout ça, mais bon, je pense que tous ceux qui descendent du Düsenbach sont remplis de quelque chose, en tout cas. En septembre, 7 postulants à l'ordre des Capucins ont découvert ce lieu. Les frères espèrent que bientôt, de nouveaux novices viendront partager leur quotidien.